J'ai conçu ce kit-là parce que je voyage beaucoup. Ce qui fait qu'il y a des moments où je sors. Quand je sors comme ça, là, je vais dans un pays. J'arrive là-bas, je manque certains outils. Donc, le kit voyage est constitué de quoi? J'ai quelques produits là-dedans. Donc, il y a le sel que tu vas mettre à la maison là-bas quand tu vas arriver. Si tu dors dans un hôtel, si tu dors chez quelqu'un, peu importe l'endroit, tu vas dormir. Donc, j'ai mis ça là. Il y a le donne-moi tout. Voilà l'huile que tu vas oindre sur toi quand tu vas te laver. Ce savon-ci là, c'est pour enlever les mauvais esprits sur toi. Parce que parfois en voyage, vous oubliez de prendre votre savon. Donc, il y a plein de choses que tu vas utiliser là-bas pour verser dans la pièce. Certaines choses que tu vas accrocher dans la pièce où tu vas partir. Voilà. Et il y a aussi les gels pour se laver. Donc ça, ça s'appelle kit voyage. On n'a pas ajouté les brosses à dents dedans. Maintenant, en haut du kit, on a mis une fois dans la sacoche parce que... Et j'ai essayé de faire des portions. J'ai demandé qu'on fasse des portions de moins de 100 ml. Donc tout ce qui est ici dedans, ça doit être moins de 100 ml normalement. Ça, c'est pour vous permettre de bien transporter. Parce que quand, pour passer en cabine avec si nécessaire. Donc on a mis aussi les encens dans le kit. Et il y a des poudres ici là que tu vas verser quand tu vas arriver. Il y a aussi des poudres que tu vas... il y a ce thé. Ça s'appelle thé de libération. Donc, tu vas mettre ça dans l'eau. Tu mets dans 1,5 litre d'eau. Tu attends 3 jours. Et tu bois. Donc, le but de tous ces kits-là, c'est de vous permettre, quand tu es en voyage, que tu dormes bien, que ton travail spirituel ne soit pas interrompu. Donc, les kits de voyage viennent sous la forme... Ça vient dans une sacoche comme ça. Je refais comme la sacoche. Donc, tu ajoutes seulement peut-être... parce qu'il y a tout dedans. Hein. Je crois que je vais vérifier si on a mis l'huile. Mais on n'a pas mis l'huile pour se oindre. Je crois que je n'ai pas demandé qu'on mette ça. Voilà. Par contre, on a mis la poudre que tu peux mettre dans ton huile pour te oindre. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer les kits qu'on a normalement. Le kit fondation. Normalement, le kit fondation.